Bonjour à toutes et à tous. Bon, je vous savais déjà, je suis un grand collectionneur de musique et j'ai quelque chose comme 510 ou 520 galettes plastifiées. Oui, ça fait de moi un grand collecteur. Et dans ces galettes plastifiées, il y a bien sûr les bons vieux Digipack, les boîtiers cristaux avec leurs notices et leurs livrets torchés sur du PQ. Ça, c'est spécial dédicace aux artistes dits mainstream. Voilà, bon, mais je vais vous montrer les 5 coffrets les plus étranges ou les plus atypiques que j'ai reçus. Je vais commencer par le coffret d'une artiste indonésienne qui s'appelle Frau. C'est un coffret qui se présente sous une forme d'écrin aplati. Dès qu'on l'ouvre, il y a une espèce de truc en 3D qui se met en route. Voilà, je vous le montre sous tous les angles. En bas, il y a la liste de toutes les paroles sous une forme de disque cartonné qui tourne. Bon, il y a de l'indonésien, j'y comprends rien du tout, mais il y a de l'anglais, donc vous avez déjà un peu mieux. Voilà. Et en haut, on trouve le CD. Si j'arrive à attraper, il y aura du progrès. Voilà. Le CD de Frau. Coffret maintenant qui est introuvable, peut-être avec un peu de chance sur eBay, donc vous comprendrez que celui-là, il reste précieusement dans la collection. Il n'était pas extrêmement cher, mais il a mis quand même plus d'un mois et demi à arriver. Donc. Là, quand je parlais d'un groupe de metal progressif suédois que j'aime beaucoup, que l'ami artiste peintre m'a fait découvrir. C'est du death metal progressif, donc c'est très doux. Et c'est le groupe Opeth. Alors, il a fait deux coffrets collector assez intéressants. Watershed, qui se présente sous la forme d'une espèce d'enveloppe cartonnée. C'est un coffret très intéressant, avec à l'intérieur un bon que je peux utiliser. Le livret, avec toutes les paroles, toutes les photos, c'est très gai, c'est normal. Un CD et un DVD. Voilà. CD et DVD de l'album. Donc vous voyez déjà, c'est quand même déjà pas mal. Donc ça, c'est l'album Watershed, c'est leur avant-dernier. Se présente sous forme d'une grosse enveloppe. Gros petit colis. Très joli d'ailleurs, et difficile à trouver celui-là. Et encore plus introuvable. C'est leur deuxième album, Morning Rise, en version collector. Voilà, c'est une espèce de boîtier de pellicule. Dès qu'on l'ouvre, il y a un autocollant et le CD. Voilà, c'est quand même déjà aussi des coffrets assez rares. Maintenant, on atteint le Bizarroïd de chez Bizarroïd. Avant-dernière place, parce qu'il y a encore plus Bizarroïd que ça, c'est l'album, premier album du groupe de prog progressif anglais Trojan Horse. Bon, c'est une espèce de digipack. Non, 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 non. Pas du tout. Dès qu'on l'ouvre, on tombe sur le CD qui est attaché et le tout se déplie en une espèce de poster. Voilà. Alors là, déjà, on atteint la limite du vraiment bizarre. C'est un bon groupe de rock anglais progressif. D'ailleurs, tous les liens seront appris en dessous de la vidéo. Et maintenant, le top du top, le bizarre du bizarre, j'ai nommé le coffret. Voilà. Je mets ma tête derrière, voyez la tête de l'engin. C'est le coffret du remix de Moon and Sun, The White Thing Remixed. Ça s'est déplié en une espèce de losange, avec le CD en bas et la CD remix en haut. Pour vous donner un idée, je vais vous montrer côte à côte le coffret d'Opeth Watershed. Voilà, je mets l'un sur l'autre. Voilà, je recule. Voyez quand même la taille de l'engin. Vous avez la taille de l'engin? Ah, pour le ranger celui-là. Je vous avoue que je me suis amusé. Donc, déjà comparé avec un coffret entre guillemets de taille classique. Ou encore le coffret de Frau à côté. Donc, vous voyez quand même, c'est vraiment là. Nansen, c'est de l'électro-ambiante assez bien rangé. Voilà. Donc, déjà, je vous montre les deux côtés. Donc, vous avez vu la taille de l'engin, mais pour la ranger, je peux vous dire que je me suis ennuyé. Voilà. Donc, c'est vraiment les trucs les plus bizarres que j'ai eu. Et dès que j'en ai d'autres qui sortent d'ordinaire, je vous les montrerai.